Alors cet impact, je crois qu'il varie beaucoup en fonction des secteurs concernés. Il n'y a pas de réponse générale. La transformation numérique, c'est une façon de gagner de nouveaux marchés, d'améliorer ses process, son efficacité. Voilà, ça dépend beaucoup du type d'entreprise qu'on considère. L'objectif du gouvernement, en tout cas, à travers le plan France Très Haut Débit, c'est de permettre à toutes les entreprises, quel que soit leur lieu, leur installation, de disposer des services télécoms dont elles ont besoin pour mener la transformation qu'elles souhaitent. Je crois que l'enjeu, avant tout pour les pouvoirs publics, c'est une question d'attractivité du territoire, attractivité des territoires. Il faut que, quelle que soit la localisation des entreprises, elles puissent trouver des services de communication électronique performants. C'est ça l'enjeu principal du plan France Très Haut Débit, avec un objectif qui est d'apporter le très haut débit pour tous à horizon fin 2022.